Christian Mauté-Sao, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Alors, ou un avocat, comment oui. Tombe un peu dans sa saison politique-là? Parce que souvent, moi, j'ai un invité qui connaît docteur, avocat, facilement non pas le moins. Non, mais moi, c'est vraiment par hasard. Moi, tu m'es passé devant la station de la police Popenessi et il y avait un groupe d'immunes qui a marché là. Et je dis, moi, je l'arrête, moi, je m'arrête même service et fin des affaires pour eux. Et donc moi, je rentre de ce service-là. Après, les autres d'immunes n'entendent pas parler, les autres d'immunes viennent vers moi. Et sans qu'ils vraiment réfléchissent, c'est quoi la politique? Et c'est quoi l'action politique? Moi, je vais faire un travail que tout citoyen bien faire, donner un coup de main. Et l'article du Code civil dit, ben, si vous êtes nazi, vous pouvez trouver un jour noyé, ben, au bizarre, sauf sur la vie. Donc, je pense que si vous avez une capacité, vous avez une tendance à travers avocat, penser que vous avez certaines capacités pour faire certaines choses. Et moi aussi découvert qu'il demande quelque chose qui peut-être m'a peine la capacité pour faire, m'a peine l'action, m'a peine les outils pour faire. Et quelque part, là, c'est comme ça qu'il m'a venu un peu penser dans quelle façon je suis capable d'agir pour être. Donc c'est comme ça qu'il m'a commencé à réfléchir. Donc on parle de rôle de la politique, c'est la politique qui nous vient nous aussi. C'est ma politique qui vient vers moi. Et moi-même m'étonnais, comme on a dit, c'est un pour mon problème de l'eau par rapport à passage de la guitare. C'est un peu c'est un qui est habitué. Moi, je dis, quand on a de l'eau, quand on a un problème de l'eau, une inondation, jusqu'à la station de la police. Ouais. Et on travaille souvent pendant l'été. Hein? Oui. Et donc, moi, je pense, c'est plus dire, un petit un travail purement avocat, représente d'autres, etc. Et madame, là, dit, moi, et je vois comme ça, maître. Pour gagner le temps de mettre les onctions là, pour gagner le temps de la cour mettre les caisses, pour gagner le temps de faire candlelight, je sais pas qui était, bien agir. Et là, mon problème, c'est que je me disais agir, et quand même le gouvernement ne prend pas le temps pour agir, mon bien trouve les moyens pour agir, pour être sa bande du monde là. Donc, nous nous faisons des moches, nous nous téléphonons par exemple dans ce cas précis là, ban ONG, ban la banque, ban compagnie. Qui nous viennent et nous et nous amène à manger pour être sa mandimouna parce qu'ils ont la case si d'un état impraticable. Donc, suite à ça, mon pensée qui politique c'est vin cause un ticket dans radio, vin cause un ticket dans l'article et mon découvert, mais c'est pas ça parce que sa mandimouna qui m'a peut causer là pour lui que ce soit Trimbord, Rochebois, les bras cassés, enfin, dans toute région pour lui, pour être au sable, etc. C'est Ben Jimoun qui n'a habitué à la chose politique. Je te connais ça très bien. Je dis, oh, ben oui, les autres politiciens viennent pour l'élection, après disparaître, faire promesse, quand tu as la peau, je parle là. Et c'est Ben Jimoun qui très comprend ça. Je dis, oh, ben, nous attendons l'élection, quand vous êtes venus, nous pour dimanche tout. Quelque chose. Donc nous venons dans ça problème un peu comment dire de non là et donc c'est pour ça qu'il me peut aborde un bon thème qui avant nous aborde tout bon thème pardon avant qu'il nous aborde tout ça bon thème là mais moi toujours dans le numéro 18 maintenant on peut crier dans la cour l'école où tu avais pour camarade Emmanuel Zouzon, Baby Zouzon. Mais tu es dans la politique depuis longtemps moi. Non, le problème c'est qu'Emmanuel Zouzon m'a connu assez longtemps à mes débuts qui me tient prêt de serment et moi tu donnes sur ma caisse nombreux caisses là. Ouais, nombreux caisses, action sociale, environnement qu'il est habitué à faire et donc le type est déjà moi venu donner un coup de main. Et pour dans ce cas précis-là, ça se roule là, l'IO du Zezon, ça m'a dit qu'il était censé être là, mais curieusement, ça tout disparaît, pas tient à personne. Et donc, mon bien être là. Et là aussi, voilà, c'est pas la politique, pas moi qui ai vers la politique, c'est la politique qui est vers moi. Il dit, moi, fais ça pour moi, get ça. Et mon retour, moi, ça se roule là, comprendre, nomination, etc. Ah. Et organiser.
organisation meeting, nous même à faire un meeting en ligne, nous faisons un meeting à Louise, que tu as beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Tu as dit, droit, sauf fait mais pas des supports, ça, les fait que tout à l'heure, pour dire à moi qu'il y a un problème dans la démocratie mauricienne, ou pas étonné qu'il. Pour la non-participation, si les filles qui participent à Dimon dans certains meetings, dans pour aussi, ça, on le constate, on fait plusieurs congrès, parce qu'ils donnent un preview de ce qui va passer en décembre, c'est-à-dire ce taux d'abstention-là. Oui, nous, notifs totalement comprend qu'il peut y avoir un taux d'abstention énorme parce que quand nous travaillons avec nos moyens réduits, nous comprenons deux choses. Premièrement, abstention, Dimon est dégoûté par la chose politique, par promesse, par tout. Hein. Vraiment, Dimon n'est plus envie d'atteindre un politicien. Et beaucoup de politiciens qui rentrent faire porte à porte à quatre bonnes, parce qu'ils ont assez de problèmes, que ce soit, ils ont envie de réinventer comme nouveau parti, comme mouvement républicain. Mouvement patriotique, etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous tu connais aussi qui est un bon parti traditionnel, c'est un bank vote. Hein, quand nous tu peux faire un bon porte-à-porte, moi et Zouzon, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous dire nous pouvons voter, mais c'est moins bien comprendre. Il y en a 5 du monde dans la case, c'est parti travail, ce qui nous fait gagner travail. Nous avons les autres. Mais ça, là, c'est un cas de clientélisme politique. Oui. Pire et dur. C'est-à-dire, si vous réussissez, moi dire, si vous réussissez à faire 5 du monde, gagne pour le travail, ou un 5. On a 5 vos banques dans la banque. Ou la banque, on a 5 là-dedans. Oui. Et ça, c'est un peu dommage de l'électorat mauricien qui résonne un peu comme ça, qui pas écoute ce qu'il y a pour dire, pour la société, pour ce. Mais pourtant, tout à l'heure, vous dites même ça, mais moi, pour votre. Moi, pour voter pour, mais vous connaissez, mais malheureusement, moi, quand je vote pour, c'est qu'il y a 5 personnes qui travaillent de l'autre côté. Ça veut dire, comment tu veux psychologiquement, ou un avocat, ou qu'on va tourner des phrases, ou qu'on tout ce mal-là, comment tu veux ça psychologiquement? Et donc, tu veux dire, moi, pour voter, mais il passe derrière, moi, pas pour voter. Moi, j'ai fait une promesse, après, j'ai fait une fausse promesse. Oui, mais ça c'est une affaire, mauricien, c'est une affaire typiquement mauricien. D'ailleurs, quand en la place, nous, quand on est allé dans la place taxi, sans nom qui la place taxi, bien sûr, mais dans la place taxi, ben, on a dit, qui vous pouvez faire pour nous? Alors nous, on dit, ben, écoute, on attend, est-ce qu'il y a un problème d'assurance? Il dit, non, qui vous pouvez donner nous? Vous donnez nous voter. Là, j'ai dit, mais nous n'avons rien pour c'est, voter. C'est une maladie de la politique parce que. Une maladie de la politique mauricienne. Parce que là, les dit à nous, nous pas nommer ça monsieur qui nous connaît, il fait bien dans sa élection là. Mais il dit, monsieur là, il finit par se. Une donnée. Donc c'est. Sans nommer qu'il est une donnée. Hein. Donc c'est pourquoi, est-ce que nous avons dit que la démocratie, le jeu politique, il est. Nous pas dire la démocratie parce que. Le mot est très fort. Le jeu politique est en crise à Maurice parce que moi j'écoute un leader politique dire qu'il y a une money politics. Il y a Paul Bérangine qui craint qu'il y a une money politics. Et si une victime de ça, ça fait qu'on appelle money politics. Oui, tout à fait. Comme un nouveau parti, comme on veut dire, dis-nous, écoute-nous ce que nous avons à dire. Malgré que nous faisons un meeting dans la Louise, que nous pas un argument physiquement devant nous, mais nous avons beaucoup retombé dans mon ban conducteur bis, contrôleur bis, bien continuer. Nous gagnons ça, oui. Nous gagnons, dis-moi ce que je peux dire, je compte bien causer, je cause bon, je ban idée bon, mais. Quand voter, pas voter. Quand voter, nous connaissons, nous pas gagner, mais aucun votant. C'est ça qu'il faisait dire. Donc, il y a beaucoup de monde aussi qui nous rendent d'autres services, nous pas demandent d'autres, non, il y a un retour. Mais qui, après, quand nous avons d'autres, nous pas même dire à d'autres, parce que nous rentrons, c'est vis-à-vis de voter, nous trouvons d'autres un sentiment de culpabilité, viennent vers nous, dire, souris, pas de cas à voter, mais tu connais, dans la famille, banane passé, banane, il fait une promesse pour donner ça, mais ouais, nous donne money politics. Ouais. Mais quand on regarde ça, je l'ai dit, mon courant que vous faites partie de la formation des les républicains, oui. Mais quand la politique fait ça dans une case, une élection,
ça pas remettre tout en question, tout ce qui nous peut être dédié à le renouveau, faire la politique autrement, faire tout ça, mettre du nouveau, du jeune, des nouvelles têtes. Après, tu as dit bien, moi, j'ai bien, moi aussi, Briani, moi aussi, moi, j'ai dit cannabis aussi, moi aussi, c'était. Oui, bouteille rhum, bien, moi aussi. Bouteille rhum, vous pouvez dire, moi, pas en trouver, moi. Bon, ce qui nous a pour dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens assez cyniques de Maurice. Je prends l'exemple mouvement patriotique, un petit parti qui, soi-disant, peut dire nous le renouveau, le troisième voie. Enfin, ils utilisent tout ban. Moi, je connaissais ce slogan sur mon interview, c'est faire la politique autrement. Autrement, oui. Mais ça, ils font ça pendant la campagne. Le vrai changement, c'est ici. Enfin, bon, Bon slogan. Oui, il n'épuise tout slogan possible dans sa créneau là. Et donc, pour qui, hier, dans son réunion, ou sur une précédente réunion récemment, pour venir dire qu'il MP pour faire partie du prochain gouvernement. Donc, MP, sa préoccupation, c'est pas préoccupation travailleur, sa préoccupation, qui Marocain li pour gagner, quand li pour assiser, à la assiser comme étiquette li pour gagner. C'est ça sa préoccupation première. Et quand on dit. Sa candidate qui suppose candidat à l'élection partielle vient dire la politique autrement, une radio pour moi, c'est bottom up, ça veut dire moi le get Bandimoun. Et par rapport à ce qui Bandimoun dit, moi établi mon projet, moi établi mon priorité. Et à ce moment-là, moi faire mon programme électoral. Mais qui nous tendait? Typiquement, l'école MMM, hier, Paul Bérangène dit, c'est un comité, je ne sais quoi, qui va faire la liste des candidats. La liste des candidats, ben, les ban du monde, ban citoyens mauriciens, ben zot, à dire. J'aime mon petit parti, ou même mon dernier parti, ou pas rapport à n'importe qui, je m'en ai mis, je m'en vais candidat. Exactement, c'est ça qui m'en vais. Candidat du tout. Ou candidat du tout, pas qu'à imposer ça depuis là-haut. Et qui, comment dire, ça fait un programme électoral, programme qui est un gouvernement, bien fait, quelque chose aussi important. Mais c'est une petite affaire qui nous donne un petit café, donc la cousine nous fait une petite liste. Et c'est tout, il n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est les personnes. Donc, et donc c'est pour ça que quand nous pouvons dire la politique autrement, quand nous pouvons dire tout ce vocabulaire-là, il est normal qu'il y ait une certaine partie de la population qui n'a plus envie, il n'a pas envie de bouter Rome, il n'a pas envie de Briani, il n'a pas envie de Nanier, parce qu'il est en attente d'un vrai renouveau dans la politique. Et c'est pour ça qu'il de plus en plus, nous avons une abstention galopante. Et d'ailleurs, nous, dans nos bandes meetings, dans nos bandes programmes, malheureusement, nous n'avons pas de récit. Faire ça passe par rapport à un maximum de personnes. Nous disons, bizarre comptabilise votre blanc. Qui fait bizarre comptabilise votre blanc pour nous distinguer votre blanc de bandes vraies abstentionnistes? Parce que votre blanc, pour indiquer nous, une raison qui fait ça, ben dit mon pendant le voter, donc il pour indiquer ah, le vote blanc, c'est un dimon qui a le voté, mais il pas mettre la croix, ça, il pas mettre la croix, il met un autre donc il à qui ça n'a plus besoin de sa vote blanc là. Mais il met le vote blanc là, dans Lyon, mais alors ça n'a plus besoin de ça, c'est-à-dire le vote blanc là, c'est un jour, allez, nous pour la problématique, un jour tout le monde va bien dégoûté au candidat, il n'a plus beaucoup de vote blanc qui vote. Qui va arriver? Ben, à ce moment-là, c'est ça la vraie démocratie. Si on a un vote blanc, ça veut dire vote blanc, il peut dire qu'il y parlait, sa bande du monde, qu'il mette dans l'élection. Par exemple, dans l'élection partielle, carbone. On est dans le 18, oui. Ouais, voilà, dans le 18. Mais ça veut dire, si tu as un vote blanc, madame Nita Diallo, personne n'a pas en ville, personne n'a un mot à dire dans sa sélection. Il est décidé par 3-4 du monde, on a l'impression. Et donc, à ce moment-là, tu prends une réélection et Mme Diallo, bah, tu peux pas poser ce candidat. Donc, c'est une façon pour faire une partie traditionnelle, revenir à une certaine démocratie, qui se bat membre capable de décider qui candidat Pierre de l'avant ou qui candidat pas Pierre de l'avant. Ça, c'est une chose importante. Dans PMSD, se base, beaucoup de monde parti d'accord avec sa candidature de M. Dalmaï. Et pour une raison purement, je veux dire, une bonne raison, il n'y a pas un candidat qui cause bien, qui a une certaine chose. Voilà, il n'y a pas le bain à bas d'être un candidat. Mais quand il y a un candidat traditionnel, M. Saoud. Ouais.
c'est le leader qui décide. C'est le leader, oui, tout à fait. Obligément, la situation qui me passait dans MMM, du jour au lendemain, on attendait le docteur Vin Boulel, puis il a dit pas de passeport, communiqué son. Il y a une réunion, il y a une réunion interne, c'est pas 4 du monde. Bon, moi, quand je dis, c'est dans 4 du monde, si tu donnes un restaurant, il décide que ça rentre pour qu'on dit ça. Il y a un processus interne dans une partie. Et si ça passe pareil que les républicains? Non, là, dans les républicains, nous pas, moi avec 4-5 du monde, nous assisons dans un petit snack, nous décidons qui s'en a pour candidat, qui s'en a pas pour candidat. Et nous capables de dire que nous poil dans une politique complètement, complètement participative, complètement c'est ben, citoyen, c'est-à-dire pas verticalité, horizontalité, c'est-à-dire qui peine vraiment leader dans les républicains, pas pour un leader normal. Et ce qui est important, c'est que par exemple dans le numéro 5, nous pas pour hésiter mettre un créole si bizarre, si bizarre mettez, si nous trouver qui c'est. Donc le problème d'appartenance au parti pas important pour les républicains. Non, question ethnique, pas important. Non, ça c'est au contraire, nous parlons contre ça, hein, ne pas dire qu'il nous faut faire lire comme une règle d'eau, parce qu'à ce moment-là il peine à raison d'être, mais nous parlons contre ça. Par exemple numéro 5, nous capable mettre un créole et demander Hindu Belt, nous pas hésiter mettre candidat même créole. De toutes les couches sociales, ethniques. Au fait, j'aimerais que dans les républicains ou avec ou un camarade, je t'ai 5 pour quoi faire pénalité. Mais quand on quitte la concession, quand la concession dit que le président Elibzin nomme comme le leader, mettez dans la constitution, de l'alliance ou du parti qui gagne l'élection comme premier ministre. Mais ça veut dire si les républicains gagnent, alors qui s'en a, personne parle de qui leader, qui s'en a la présidente et c'est qui pour un poste pour choisir pour donner dans toute l'équipe le titre de premier ministre passé. Mais j'ai un chef d'équipe. Moi, dans l'équipe football, il y en a 14, 26, 52, il y en a un seul capitaine. Oui. Donc, nous pour aller dans sa pratique constitutionnelle qui, met en place pour d'autres raisons. Hein. Nous parler qui raisons de mettre ça, mais nous parlons dans sa pratique-là. C'est-à-dire qu'il nous peut mettre un premier ministre pour pendant 3 ans, qu'il est pour issu d'une certaine majorité ethnique, si nous pouvons dire ça, et dans la deuxième partie, il est pour issu de l'autre minorité. Nous pouvons mettre celui du minorité comme premier ministre et celui du majorité comme l'autre en deuxième phase de ce mandat. Donc, pour faire un annonce de 1000, 3 ans, 10 ans, qui ne peut pas faire 2 ans et demi, 2 ans et demi. 2 ans et demi, 2 ans et demi, nous pouvons faire. C'est ça. 50-50, 2 ans et demi. Parce qu'il kiffe, ça. Je ne peux pas faire 2 ans, 2 ans, parce que nous connaissons l'année électorale. Là, c'est une année d'envie. Là, nous mettons une quête. Allez, nous mettons une quête. Quelle dernière année, là? Nous mettons une madame. Non, nous ne pas comme ça. Nous, si bizarre, mettons une madame. Si nous pouvons mettre dans le premier. Mais madame, vous pouvez dire un bon mot là. Moi, j'entends beaucoup ça mot, bizarre madame, mais difficile pour une madame. Est-ce que dans les républicains, il y a un problème, ban candidate, ban cadre féminin? Oui, parce que mon pensée, Culture mauricienne, une culture marxiste, phallocratique, on va dire. Oui, mais mon pensée aussi, même ben, madame là, mauricienne, il y a un décalage entre ce qui peut passer dans le monde et l'égalité homme-femme, ce qui peut-être dans Beaubassin, Rosil, parmi les intellectuels, pour eux, les acquis ça, ils ont causé, qu'ils ont causé, mais on a l'impression que dans la campagne, dans les autres régions, ça n'est pas encore vraiment rentre dans la culture mauricienne, n'est pas encore vraiment vine quelque chose. Donc, madame, on a tendance, même quand nous peut demande de venir, ils ont tendance à hésiter, à moi pas connaître, c'est un sentiment de. Outil d'un mammite politique, on comprend qu'il fait. Pardon? Outil d'un mammite
politique là. C'est-à-dire dans le numéro de titre. Quand on comprend qui fait, bonne madame là, pas intéressée, fait de la politique active. Oui, nous, quand on a dit, on dit, on fait la politique, mais on organise le congrès, on colle l'affiche, on pas dépasser ce stade là. On dit, on fait une partisan, on dit, on dit, oui, on fait la politique, ben on donne un petit coup de main, mais ça petit coup de main là, on un peu dans l'antichambre. Oui. Non, mais est-ce que si vous faites comme un parti traditionnel, ou dit, pour faire une politique que tout mette parité homme-femme, mais vous mettez madame là, mais comme dit Jimounje, madame là, je dis ban pour de voix, ban pour de parole, je pas participe dans la décision, je pas participe dans ce que doit être. Mais il est normal qu'il faut juste de façade. Mais qu'on ait Jimoun qui a l'expérience, nous pas vous dire ben non, quand on a ban calibre. Mais c'est qu'il a depuis longtemps. Difficile, vous m'avez sorti, vous m'avez dans la campagne, vous dites, moi, ceci, moi, cela. Vous dites, 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 je prends en cause la dynastie, c'est-à-dire papa, pichi, tifi, papa, tifi, papa, pichi, on arrive jusqu'à grand-père, petits-enfants, c'est-à-dire. Petits-enfants. Nous pas encore arrivé dans ce stade-là, peut-être que nous pas encore arrivé là. Et deuxièmement, c'est le problème du débutant. Comme moi, demain, mon rôle d'un même, non, je peux donner l'exemple. Demain, moi, si mon rôle d'un même, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, eh bien, il pourra caser dans le cas du débutant. Il pourra assister dans le troisième rangée, pas derrière tous les samedis, et il pourra pas dire un seul mot. Non. Ou s'il assiste dans le premier rang. Vous avec moi qui ça m'a dit mon que dans deuxième mois là, c'est mon dit du bureau politique. Oui. C'est pas bonne sympathisant qui dans régional, c'est pas la affaire. Quand rentre là-bas, moi supposé ou qu'on bien dit toi même, c'est que bien commence pas au branche, dans branche, ou fait tout monde s'aimer avoir aussi venir dans sa bureau parce que moi là moi et ça c'est en conférence depuis moins maintenant 8 ans. Vous connaissez tout du monde du bureau politique, c'est pas ouvert à n'importe qui ça. C'est pas ouvert à n'importe qui. Donc voilà, si vous êtes un débutant, vous en a beaucoup marche à gravir et écoute non. Écoute moi non. C'est-à-dire vous rentrez au carré député, c'est-à-dire vous si vous intéressé à faire la politique avec vous, vous gagnez une petite un député. Mon Kavin, mon capot candidat dans mon troisième circonscription, c'est ça ou bien où c'est le bon, non, c'est collectif, c'est collectif. Le club des cinq. Non, c'est collectif. C'est le club des cinq, vous décidez de dire. Non, bon, vous voulez vous ici ou pour là-bas. Non, c'est collectif, évidemment. Ils m'ont pensé que quand vous pouvez rentrer dans une partie, ben, si vous, comment du monde dit, si on a les talents, si on a l'énergie, si on a la volonté, et ben c'est ça qui nous peut guetter dans du monde, c'est ce volonté, authenticité dans ce combat. Hein. Nous pas là pour le mettre du monde, pour remplir case ou pour ramasser l'argent avec bonne prospective candidate, tout ça là, comme des fois, il est souvent le cas. Vous pouvez dire pas le secret là. Non, on me peut dire. Je veux dire, les ramasses case, c'est-à-dire qu'il y a du monde candidat, vous avez mis le billet à la table. Mon pensée, c'est pas un mot, pas dire. Un secret de polichinelle, c'est un mot de polichinelle qui vous a mis de l'argent à la table avant de venir député, avant de venir candidat. Donc, dans ma partie traditionnelle, mon papa invente non ni. Donc, ça, c'est un premier point. D'ailleurs, moi, quoi, une raison pour sa politique pendant les dernières élections. Et responsable politique au pouvoir, qui s'y tient dans une radio avec Natsi Varamen, qui, bon, tout le monde nous amène d'autres contributions, et le parti prend en charge des trois candidats qui pénalent les moyens. Donc c'est collégial. C'est collégial. Peut-être que vous avez urbain du monde qui n'a talent, qui va valer. Valère et ta talent bien qu'on causer, bien qu'on vende ça même, bien un bon pied souillé, bien faire un space pour parce que une circonscription, on a beaucoup, petit coin et recoin, bien qu'à saler les pieds, bien qu'à lever la matin, mais qui va une valeur pérodée dans une bonne candidat? Je pense qu'une des bonnes valeurs qui ressortit par rapport à ce petit mouvement qui me fait porte à porte dans quatre bons là, et
là en ce moment avec ma dimanche qui m'appelle à donner un coup de main, surtout dans pour lui. Et donc c'est l'honnêteté, hein. Ça c'est qui vient en premier, l'honnêteté et faire travail là. Vous connaissez, il y a dimanche dans je comprends que des fois je peux dire une solution ou pas pour quatre solutions là pas avec quatre trouver, mais le fait qu'on vienne, qu'on écoute eux, qu'on accompagne eux, qu'on peut faire des efforts, eh bien, je suis conscient de ça. Donc, nous pas là non plus pour trouver une solution comme ça de go, mais nous besoin un djimoun, comment on peut dire, présent au terrain, nous besoin un djimoun qui est honnête, nous besoin un djimoun qui quand même fait ce travail d'une façon responsable. Quand nous guettons parlement, quand nous guettons sa ban débat là, sa niveau ban débat là, sa ban bêtise qui est là, comment dire, c'est la récré, c'est l'école, et ben elle a une maîtresse d'école en plus, donc vraiment ça pas fait, ça c'est pas ban djimoun qui nous fait. Ça, il y a ban djimoun, c'est pas une fausse vision qui ban politicien donne. Moi, je vis dans le monde politique, on connaît, on tout le monde connaît beaucoup de personnes, mais quand on écoute un député, on se dit même ça, ça qui nous fait dans le Parlement, ça c'est une chigine ça. Quand matin, le téléphone sonne, je vais à l'enterrement, tantôt, on a d'autres activités. Si je demande n'importe qui député, j'ai l'impression de dire, pour un Mauricien, pour un politique, c'est-à-dire, je travaille 10, mardi, 11h30, jusqu'à 7h à soir, jusqu'à un budget. J'ai l'impression que l'image du politicien et du député, ministre d'Amour, c'est qu'il travaille ce mardi. C'est-à-dire, après du mercredi jusqu'au lundi, il ne va pas travailler du tout, il reste à case. Bon, c'est pas moi tout le député au terrain, moi tout le député, puis je vais demander, il y a le député, bon, pas d'autres fonctions de ministre, je vais couper les bancs, je vais faire discours, il y a un bon travail que je vais faire. Oui, bon, à ce si vous trouvez, c'est un travail couper les bancs, et servir ban ban. Ça fait partie de la fonction. Ça fait partie de la fonction, mais si vous trouvez couper les bancs, à le faire meeting dans une réunion, que ce soit socio, culturel, etc. Si vous trouvez ça, c'est un travail, ben, moi, je dis, oh, bravo, parce que c'est ça qui vous déplace quelque chose, c'est ça qui vous sens quelque chose quand vous êtes occupé, que couper les bancs, faire un ban meeting, ban règlement de compte avec l'autre parti qui part au pouvoir, etc. Malheureusement, ça se répète après mardi. Mardi, c'est qu'ils nous trouvaient mardi là, tous les jours, c'est ça. À faire pas lab, à le raconter, vini, etc. À le faire du clientélisme, c'est-à-dire à donner des circonscriptions. Ah, toi, t'as pas marché en nous, mais non, toi, t'as marché en nous, t'as pour gagner le temps, etc. Non, mais non, là nous tombons dans. Vraiment, si c'est ça faire du travail de la politique, eh bien, nous utilisons tout le résultat, un petit peu, nous utilisons tout le monde. Dimoun revient vers un bureau de vote. Si Dimoun parle vers un bureau de vote, première raison qu'il dit, ben Dimoun dit, elle n'est pas venue. Il n'est pas mettre les pieds, il n'est pas là. Pour vous, c'est travail député qui tu souhaitais. Ou élu, ou demain, ou tout seul, ou on a les républicains dans le Parlement. Quelle définition tu voudrais travailler un député? Bon, un député, son travail, il est très simple. Hein. Il est besoin l'eau terrain. Donc, c'est-à-dire, il est besoin, d'une part, vivre aux souffrances. Ce circonscription, ban dimoun qui dans sa circonscription. Et quand il vient député, il ne faut pas les sectaires non plus. Il est bizarre, un député pour tout l'endroit. Ok, il ne faut pas les sectaires parce qu'il fait clientéliste, toi tu votes moi, toi pas tu votes moi, moi, zon dire, etc. Donne ça de notre travail. On a une pétome dans quelque chose de malsain. De malsain et qui n'est pas correct. Hein. Et donc. Pour nous revenir vers là, un travail d'un député, c'est ça qui est important. Parce que, get nous prend cas M. Colanda Velou. Okay? M. Colanda Velou, l'IP décidé pour privatiser de l'eau. Okay? Mais est-ce qu'il se prête mes affaires à les parties bizarres du monde? Tout Mauricien, est-ce qu'ils ont envie de CWA privatiser? L'IP comporte l'IP. Comme si dit, mais nous n'avons plus rien à dire, parce qu'une fois qu'il nous vote lit, pendant sa mandat 5 ans là, nous n'avons rien à dire, nous pas qu'à réfléchir à quoi que ce soit, nous pas qu'à dire quoi que ce soit, nous disons, ben administrer, ça veut dire les rois, PGR, cela pour. Non, nous pouvons montrer, nous vivons dans des mondes très changeants, où quelque chose bougeait à la minute,
qui, à n'importe quel moment, un député libyen capable infléchir son action s'il tient un bon projet. Mais en ce moment, projet là, il n'est pas faisable, il n'est pas viable, il est carrément en question. Et il est capable aussi, par rapport à ce terrain, apporter un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle action. Donc, un député, pour moi, quand il rentre dans le Parlement, étant donné qu'il n'est pas réuni en permanent, il a besoin de service à l'étant là, effectivement. Pas perdu des temps avec ban bala, pala, ban injective, etc. Donc, tombe dans. Jeu, ça forme partie du folklore. Mais c'est un folklore qui nous vient comment se mettre dans le cabote. Ou tu sais, dans la classe ou? Non, moi pensez, moi tu sais, dans la classe, parce que moi tu comptes perdre les temps. C'est un jeune homme qui t'y perd enseignement là. Quand moi tu peux suivre classe, tu as un jeune homme qui t'y fait faire ce que tu as ici. Et donc, tu peux expliquer nous, quand je finis là, je vais travailler là, pour être capable d'économiser un peu pour poursuivre cette étude. C'est pas que je t'en viens de. J'aime le rire, me faire des autres dans. En dehors, oui. Mais dans classe? Non. Nous quittons un peu la cour d'école, ouais. Dans le plus grand la cour. Les premiers ministres fait passer, il y a quelques jours là nous trouvons, comment dire, un peu normal, il y a qu'une fille, il y a des dégâts. Quelle est cette semaine? Comment écoute, il y a mon passé dans petit là-bas, moi tout dire bizarre, j'aime ça, bonne partie émergent, j'ai pas la capacité pour mobiliser par rapport à bonne partie politique. Traditionnel, mainstream, chacun appelle comment. Comment vous trouvez ça? Vous avez une partie, vous préparez pour une première joute électorale de grande envergure. Comment Jack Bizazin dit nous perdit sa capacité de mobiliser? Ben, nous perdit capacité de mobiliser, d'une part, faut dire qu'il nous cause une problématique qui intéresse, qui dans la vie, qui dans le quotidien, du monde. En ce moment, nous bien trouvé avec sa problème de l'eau, tarif de l'eau là, ça lui concerne la population, et il y a une mobilisation. Nous faisons des trois manifestations devant le Parlement, nous participons de la marche, et nous trouvons que oui, et là, une mobilisation. Tout dépend qui vous causez et comment vous dire. Mais même Jacques Bizal, hier, moi, assez désolé, il fait le procès de Achoksoumou. Et bien sûr, nous pas intéressés en ça. Ça, c'est une affaire qui existait entre lui et Achoksoumou. Ben, nous pas intéressés comme ça par la blague. Donc, même moi, je me levais, je allais. Parce que moi, j'attends que Jacques pose le défi du travailleur. Et il y a un grand chantier par rapport, et là, à la loi du travail qui est ministre de Skalichen pour nous venir de l'avant, ben, nous devons participer dans ce débat-là, nous devons faire en sorte que, eh ben oui, pour un développement, pour une, la loi du travail flexible, il y a un débat TICA, il y a un débat, si pas obligé de raser la ZAM, si pas obligé de mettre talon aiguille quand on serveuse dans un restaurant, dans l'hôtel. Donc, il y a un débat qui est important et peut-être le débat le plus important, mais nous pouvons venir vers le monde numérisé, comme par exemple, au compteur des lots, les pour numériser, ou pas pour bizarre, et il y a du monde qui nous relève compteur, ça pour faire automatiquement du bureau central. Donc nous pouvons tout ça une problématique là, pour qu'on contrôle de l'eau quand il est ouvert, quand il est peint, quand etc. Les caves gèrent ça automatiquement. Donc nous pouvons un changement technologique. Donc d'une part, travailler qui a servi à faire relever compteur pour disparaître. Meter Riddle pour disparaître ce travail là. Donc moi pas concerné avec ce que M. Colin Davelou peut dire. Le problème de l'eau. Moi, ce qui me concernait, c'est ce débat public-privé, l'eau bien commun. Nous trouvons, dans le monde entier, quand il y a la privatisation, allez, moi, pas envie de dire privatisation, mais il y a sa participation public-privé là, c'est une catastrophe. Nous gagnons un service plus inefficient, nous gagnons un tarif de l'eau qui monte, nous gagnons toutes sortes de problèmes. De l'eau, est-ce qu'il nous pour gagner de l'eau potable fraîche ou nous pour gagner de l'eau traitée? Nous pour gagner. Bon, moi, je ne suis pas concerné avec cette volface, pas pour une tarif de l'eau. Moi, c'est me concerner le débat qui est important pour moi, public-privé. Et ça,
c'est un modèle catastrophe qui n'est pas amorcé dans aucun pays parce qu'il faut lier une raison simple. Une compagnie privée, que ce soit une compagnie privée mauricienne, que ce soit une multinationale, les concernée à short terme par un profit. Et donc, quand une compagnie est concernée par profit, l'IPU a une rationalisation ou même l'IPU ZIS considère son profit. Et donc, dans le monde entier, il y a un backpedal. Quand il y a ses affaires publiques privées là, zone révine vers l'État. Mais le bien commun, moi, désolé, il est bizarre dans l'armée l'État. À ce moment, il y a une nouvelle forme. Mon nouveau modèle appelle ça partenariat public et commun. C'est-à-dire, nous un petit peu donne l'exemple un peu coopératif, que l'État garde les infrastructures, etc. Il garde le cadre juridique, mais c'est donné à un citoyen, un monde en commun, qui gère ça eux-mêmes et qui nous appelle ça une sorte de coopérative. Au compte la fermage, non? Oui, évidemment, ça c'est une catastrophe. Il n'y a pas le marché dans aucun pays. Et tout pays, il y a un backpedal. Même pays comme Bolivie, pays, par exemple. Gestion de l'eau, nous, peut-être, bizarre, approche-nous d'un modèle qui est marché dans Naples, qui est marché dans Paris. Mais si nous parlons d'une version anglaise, ça, de l'eau là, on connaît comme si l'on était, tu dis, on même boit ou pas qu'à boire quand il bouille ça. Donc, ça c'est une catastrophe qui nous vient éviter. Et il ne faut pas qu'il vienne dire moi, que c'est parce que Banque mondiale qui nous dit ça, nous avons déjà refusé Banque mondiale, l'éducation gratis, vient payant, nous avons déjà refusé par les passés, dans les 83, le problème alimentaire. Donc, nous capables de refuser Banque mondiale. Il ne faut pas qu'il vienne avec un argument aussi. L'option Duval pour une Water Authority ou tout ça, il y a une better option. Il va dans le bon sens. C'est ça qui m'obsède dire. Il va dans le bon sens. Parce que ces affaires qui, comme à dire, pour mettre l'argent privé dans de l'eau là, il n'est pas pour moi aussi. Il n'est pas pour moi aussi dans aucun pays. Et si on prend n'importe qui textbook économique, avantages, désavantages, privatisation, c'est clair. Hein? Il n'est pas amorcé, c'est le modèle. Laisse-nous retourner le premier mai. Comment trouver un peu la situation? Là où il y a tout un journal possible, on a Internet, on a Facebook Live, on a beaucoup de sources d'informations. Qui vous l'assessment? Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, mais encore une fois, du monde qui a l'occasion, Montaigne Lestrade prend la parole. Et qui, je trouve que M. Soudan dit beaucoup de bêtises comme d'habitude. Je trouve que M. Bagouan dit beaucoup de bêtises comme d'habitude. Et les plus glorifiés, M. Bagouan, de tout ce monde que tu peux dire, la récré. Dans le Parlement, tout ce ban insignifiance, ce ban injective et ce ban chose. Mais moi, pour quand j'ai des affaires bien droites dans le jeu, moi, M. Bagouane, il y a 5 députés dans Beaubassin-Rosil. Moi, reste gros mandel, moi. Moi, encore, j'ai un problème de rein. Moi, encore, quand on prend Bistop, moi, pas qu'à assiser là, ça, Bistop là, dans un état pas possible. Gros mandel, il y a beaucoup de problèmes. Et moi, pas dans Beaubassin, il y a beaucoup de problèmes. Qui l'y fait pendant, je sais pas, 40 ban années? L'invin zette chose sac milolo la table tout ce ban chose qu'il y fait caricature ce ban chose qu'il y fait mais qu'il y fait zéro moi mon cas dit zéro et si là il peut faire man allégation qu'il peut prendre un élixir de jouvence il pourrait venir il pourrait bon moi je dirais sur la case reposer donc le message dit mais si vous sentez que la démocratie est en crise? Oui, la démocratie est en crise. Parce que tout à l'heure, on dit que ça n'a pas rien du monde, on dit que ça donne Rome, on donne ça, c'est monnaie politique. Sans quoi, si la démocratie est en crise? Oui, démocratie en crise pour une raison très simple. Hein, parce que il y a un monde qui n'est plus intéressé du tout par la politique. Donc là, nous avons bien trouvé dans ce meeting premier, mais là, beaucoup de partis politiques n'ont pas même osé organiser parce qu'ils ne connaissent pas le monde.
Ça, c'est le ce premier point. Deuxième point, et peine nous trouver la réco-abstention. Nous trouver ben dimun peine confiance dans un élu. Et ben élu, pas faire honneur avec ben scandale qui n'arrivait dans le Parlement, des hauts pommes, etc. Donc, dimun a l'impression de Maurice, c'est pas la lutte des classes, c'est la lutte qui famille moi pour tenir. Pour mon travail. Donc tout ça là, l'affaire qui dit moun est une démocratie qui complètement déphasée. Ce qui nous besoin remettre citoyens au cœur de la décision. C'est un message que moi beaucoup depuis quelques temps maintenant. Oui. Et moi pensant consumer centrique, électeur au centre. Oui, moi mon pensée oui. Bon. C'est un terme business, un terme marketing. Mais moi, mon pensée qui nous besoin, ça fait très simple, c'est qu'il y a un citoyen, besoin et n'a possibilité pour participer dans le débat, la loi, qu'ils soient capables d'amener notre réflexion, qu'ils soient capables participer. Comment on fait que dire dans ça, ben, le problème de Lola, qui dit qu'il a participé dans. Comment on va pouvoir participer? Nous avons des députés, comment sont capables, ça veut dire, c'est le rôle de ban radio, c'est le rôle de ban la presse parlée, écrite, télévision, ces autres rôles, hein, de faire les débats. Parce que si nous avons un débat depuis lundi jusqu'à vendredi. Non, moi pensez qu'il. Posez-moi, vous parlez au micro, vous dites madame speaker, vous posez pendant des temps. Non. Ça, c'est pas ça que je peux dire. Je peux dire qu'il besoin a plus de flexibilité, qui citoyen a pouvoir pour participer un petit peu plus dans. De quelle façon? D'une façon qu'ils soient capables d'amener un amendement dans la loi. Qui standing orders? Oui, ils sont capables d'amener participe par exemple dans la rédaction d'un projet de constitution, et ils sont capables aussi par exemple dans le cas d'Ilo, demander si ils ont envie de privatiser, hein, pas besoin de faire référendum, hein, pour faire ça. Nous avons des moyens beaucoup plus simples avec internet, avec beaucoup d'autres moyens pour faire ça beaucoup à moins cher, hein. Donc ils parlent nécessairement d'accord, belle cause, référendum, tout ça là, ça c'est ben le monde derrière. Démocratie à ce terme là, c'est de la démocratie, c'est ben nouveau l'air parce qu'il y a ben réseau, ben outils sociaux, numériques, internet, technologiques qui permettent nous combattre. Après, il y a, comme je peux dire, moi, je fais découvrir ça, hein, parce que je peux apprendre tous les jours, et je fais découvrir qu'il y a un problème des fois où quand on résout son passeport au gouvernement, son passeport. Pendant rien. Le cas précis, je ne pas encore beaucoup de cas, je ne dire tout le cas possible, mais un des cas, par exemple, quand du monde est en train de boire, pas un repas chaud, ben, nous sommes capables parce que ça. C'est une action ponctuelle. Enfin, un restaurant de nous, nous écoutons la radio, ouais. Pas un restaurant, puis donner un magasin, puis donner, c'est pas voilà. Qu'ils affaires, pas affaires, mais ça c'est comment dire, un peu la flippe mauricienne, nous comptons aider. Ouais. Actuellement, là, Krishna Mutiswa, il peut causer beaucoup de réformes électorales. Tout du monde peut causer bonne réforme, pas bon. Alors, comment on trouve un peu sa projet qui peut fuiter là? C'est-à-dire, vous ici, c'est un peu, PMSG, il n'y a pas tous best loser, il y en a des autres, bon, pas fait un an, il y en a Gali Macha, l'autre peut dire, bien tiens, ethnicité. Comment on trouve un peu tout ça? Parce que, vous bougez de Hamas football là. Mm-hmm. Vous bougez football là, dans quelques temps là. Ouais. Moi, mon pensée d'une part, hein, ma première réflexion, comme tu as un camarade appelé Goudeu qui était avec, ça, avec moi un peu, et maintenant réfléchir là, ma pensée qu'à un moment donné dans nos histoires, nous tenons un parlement de 40 circonscriptions. Et ma pensée, nous revient à 20 plus 5, 21. Et donc, je pensais qu'il nous besoin garder sa 21 là et nous besoin ajouter
Moi, par contre, j'espère que j'ai bien réfléchi et que j'ai un peu court, mais moi, pensez dans un premier temps, ajoute 10 supplémentaires, c'est-à-dire nous passons en 31, et les points de bonnes choses, parce que moi, on pensait déficit en ce moment dans le Parlement, les pavines de déficit essentiellement un problème ethnique, un problème banchi-parti, c'est un problème aussi géographique. Hein, parce qu'il y a ma circonscription qui a vraiment évolué de par la taille qui m'a pensé, ces trois députés. Donc, si je comprends bien, pour une augmentation du nombre de circonscriptions, mais pas un redécoupage, nous connaissons qui la commission oui. électorale, voilà. La Boundaries Commission, l'électorat Boundaries Commission, qui fait un travail pour rééquilibrer un peu les choses, parce que nous connaissons dans les démocrates, il est grand, il est voilà. Tout à fait. Moi, mon poil vers ça, dans un premier temps, parce que sans me trouver, c'est le problème numéro un. Astéa, un problème, abolition. Best loser. Moi, penser que bien fait, bien dans un sens, best loser là, mais best loser correctif, encore une fois, bien best loser correctif par rapport au nombre de votants par rapport à la taille de la circonscription. Justement, au Pécosa, la proportionnelle, le chiffre n'est pas trop haut pour une partie, pareil comme les Républicains. Oui, justement, le Bizan est un... Pécosa 12.5, c'est un PDMAN 8.5. Il a dit, bon, 8.5, c'est trop faible, t'as pas une partie d'extrême droite, d'extrême gauche qui a rentré. Moi, je pensais que Bizan a aussi un best loser, mais au sens, je reviens encore dans sa formule best loser, ou une formule de comment il a un best loser ethnique, Bizan a un best loser pour ban petit parti. Oui, un parti là, c'est bien performe. Mais encore une fois, dans Maurice, nous nous guettons bien, la plupart de petits partis, c'est un satellite. Hein, qui est un gros parti, une partie montée à la dernière minute, qui venait pour venir brouiller un peu le jeu électoral, mais n'est pas trop autre. Comme il y a un petit parti qui, dans l'élection 2014 ou dans 2018, ou tous autres le terrain, ou tous autres faire quoi que ce soit. Il y a deux, trois premiers mille là. Ouais, il y a deux, trois premiers mille. Il y a deux, trois premiers mille. Il y a CP. RCP est là. Et la RCP. Et la résistance alternative. Et la résistance alternative. Et la, le parti de Jacques Bizlal. Mais ça, c'est un parti qui, encore une fois, je pas un parti, mais en même temps, c'est un syndicat. Mon papa réveille un secret de politionnel qui vient dans un regroupement de meeting de mouvement 1er mai de Jacques Bizlal. Et bien, tu en as beaucoup de syndicalistes. Tu en as beaucoup de syndiqués. Donc, il n'est pas de Briani, mais quand même, voilà. Hein. Donc, de même que Résistance Alternative. Donc, quoique Résistance Alternative donne du moyen de transport presque à proposer. Donc, voilà. Donc, là encore, nous peinons ce qui nous appelle une partie politique, type parti. Parti émergent, je ne suis pas content d'appeler ça type parti. Ouais. Parti émergent, voilà. Ouais. Une même problématique, Ban Mauricien, là, on arrive au cinquième mois de l'année. Mon métier sur le point purement statistique, c'est tous les mois 13 000 morts d'accident là. Et moi, mon conseil. Il y en a 65, l'année dernière, nous sommes au moins 50, c'est-à-dire nous avons un mois d'avance. Donc, nous avons un mois d'avance sur ce cinquième mois là. Oui, là, mon pensée qui c'est un problème numéro un et qui, mon pensée qui demande une action immédiate. Moi, je pensais bien, là, dans la semaine qui venait, à la fin de la loi, ou une régulation, la limitation de vitesse, dans un premier temps. Et je pensais que oui, il n'est jamais enough pour nous tous donner un coup de main. Pour faire une campagne, pour aider, pour éduquer Bandimoun, pour qu'il y en a vraiment, un change la culture, un change la mentalité, l'eau sa pointe là. Et donc, moi, nous tout à fait là, nous pour aussi faire, nous aussi, participer dans sa. Dans sa campagne là, nous peut réfléchir au sein de notre petit groupe de faire une campagne nous aussi, que nous pour causer un peu l'eau.
problématique là. Donc pour nous c'est très important bien du monde repose à peu au moins 15 minutes du monde bien quand il dépasse des verres il pas prend volant il donne volant à quelqu'un ou il trouve un moyen de transport qui est important qui a une limitation vitesse il est important aussi qui gouvernement bah, l'autorité fait ce travail auprès ban bis qui souvent en excès de vitesse. Moi-même, je prends bis des fois, moi un peu peur, surtout quand je fais express le chemin neuf, comme on le dit dans le langage mauricien. Donc, il est très important parce qu'il nous connaît aussi la drogue au volant, le cannabis au volant, l'alcool au volant, et donc nous disons combattre. Tout ça, mes affaires là, et nous ne pouvons pas participer dans une campagne, nous donne un coup de main, et nous ne pouvons penser peut-être qu'il est capable de prendre la peinture, peindre un peu l'eau, la rime, on rappelle comment ils ont fait. Mais bien avoir fait peindre la peinture, c'est un délice à mettre là, ou faire une incitation au délice, hein, non. À mettre sous gouvernement pour petit, ça. Il y a du monde qui a gagné ça. Moi, je suis pas, je peux peindre ça, le football. La police sera majeure, mais je dois non, mais là, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une incitation. Il paraît qu'à l'époque, MMM, tu mets sur trois léquets avec MMM partout dans tout la région, aussi dans Rosille. Bon. Ben, les autres parties aussi, tu sais pas. Là, on peut viser un peu trop MMM, mais les autres parties, on trouve la clé, on trouve soleil, on trouve côte, on trouve tout le symbole qu'on a trouvé dans la police, on trouve l'autre. D'accord, où on dit Rosille quand même. Donc, surtout qu'on est Rosille, capitale MMM. Donc, nous n'avons nous capables de faire une exception, qui est un combat contre la vitesse, de dire ben, ralentissez, ça aide nous, parce que quand je voulais peut rouler, tout ça, les vendus, ça capable aide nous. Nous devons penser toute forme de publicité, de forme de communication. Très bien, d'ailleurs, moi je salue l'initiative la semaine dernière, ce qui me passait le jour les courses 5 mars. Donc, ça m'a... Ah ouais, les courses Non, mais vous trouvez dans la télévision. Hein? Ah, d'accord. Dans, le temps cheval là, sorti dans sa store là, vous trouvez là-haut, ben, pas les courses. Juste, une vue un peu. Parfois, ils souvent décrier les banjeux d'argent, une nation aux Jougadères, je me rappelle, c'est un ministre des Finances, il y a Maurice, c'est un pays jougadère. Non, on pense pensez qu'il y a une partie de vrai là-dedans. Et moi, je dis, moi, je disais Kachli, moi, les courses, moi ici. Et me content la plaine. Hein. On parle devant de loge, etc. Me content de la plaine parce qu'il nous joigne l'homme mauricien. Hein. Et ce qui me content là-dedans, c'est qu'il y a un débat, il y a une réflexion. C'est pas Mandimoun qui peut forcément me rencontrer, qui peut faire la mise pour la mise. Et il y a l'amusement. Et il y a pour venir avec un argument, dire moi, hé, tu connais aujourd'hui l'anniversaire de Joe Wan, pour gagner 3 les courses. Et il y a dit moi, hé, je ne sais pas. Je vais 4 000 roupies pour gagner. Non, mais tu trouves, un petit peu, j'ai gagné la semaine 15 jours. Et je me dis comme ça, hé, tu connais l'animal ça. Ah ben, il ne sait pas l'appel avec là. Mais il y a un mec qui dit pour gagner. Vraiment, moi, à base, je dis pour ça, parce que moi, je lis tout mon ban magazine, mon investi, mon pegue time factor, mon pegue tout, mon pegue. Pas possible, mais après, je dis, ben, pourquoi pas? Alors, qu'il y a un avélé là? Finalement, avélé d'une seconde, mais c'est comme quoi, il y a une logique qui vraiment. Nietzsche Pécose, Hippisme, Krishna Moti, sur ça vous. Donc, il nous trouvait que le gouvernement peut faire une espèce de sondage, puis rebâtir une étude. Là, il trouvait que l'autre hiver, puis change la main. Il y a des repreneurs, nous étions le tout est, Kassen, tout couronné, chaîne, puis rentré. Et sur le passé, le Mauricien, il parlait assez la monnaie, il jouait pour gagner. Donc, pour gagner au moins 5 millions avec l'auto, 10 millions dans le billet, si pas de numéro là, bon.
Moi, bon, celle qui ça toujours présent, je me rappelle quand j'étais enfant, beaucoup de gens typaient jouer le tout, et ils étaient vraiment bingo. Très, bingo et tout ça, ils étaient vraiment très, et vraiment très appliqués, et c'est l'espoir pour gagner l'argent par vos autres enfants, à faire avocat, docteur, c'est l'exemple typique que tout le monde donnait. Et moi aussi, il y a une fois, qu'il y a un monsieur qui vraiment étudié les courses, tu peux suivre un cheval gajador, et tu gagnes les courses, un cheval appelé Spring Lover. Et c'est l'époque ban ban bis individuel, les investis, là c'était un bis, et ça à l'époque là, tiens là sa ouverture là, et bis là il est encore là, il est encore appelé Spring Lover, mais comme mon conseiller ça, ça souvenir sa cheval là n'est plus d'actualité, l'une marquée l'amoureux du printemps, hein, la traduction de Spring Lover. Mais ça, ça bis là il est dans pour lui quand on l'a gardé d'immigration pour trouver un bis appelé Spring Lover. Mais moi, comment on dit, hein, moi dans la plaine, moi pas sous-estime Dimoun parce que moi, je suis capable de faire l'étude, moi découvrir un man Dimoun qui pas capable de lire un certain quelque chose, mais avec l'expérience, avec la force à prendre sur le terrain. Je connais une technique de jeu incroyable. Et là, je ne comprends rien dans les courses. Les bouvilles, je me dis, hey, dis-moi, qu'est-ce que c'est Val utile? Quel numéro c'est Val? Numéro 5. Numéro 5, il sortit des fois, il pourrait sortir, et il jouait, il gagnait, il battait, il gagnait ce bel amené, et je m'attends tantôt, j'y vais à l'eau la table. Eh ben, dis donc, hein, moi, pas qu'on a du vin à la table, parce que, bon, malheureusement, moi, un joueur, comment nous dire? Un petit joueur, mais aussi, moi, un joueur, comment dire, moi, by the books. Ça veut dire, moi, étudier time factor, moi, étudier poids, moi, étudier descente de catégorie, tout ce monde d'histoire. Vous êtes l'appli, Solé, l'appli. Nous retenons une petite, le monde épice, dans un peu plus, un peu, de beaucoup de scènes morts. Là, nous trouvons un rapport qui nous sorti. Il y a apparemment un problème qui le secteur de la santé, il y a un petit baba, une mort, une trompe médecine, ou bien il y a un bébé. Là, nous avons dit qu'il peut faire bébé changer. Comment vous guettez ce secteur de la santé à Maurice qui, tous les ans, ce budget peut monter par 10, 11, 12%? Je pensais qu'il a, vu le nombre de bonnes enfants, on prend ça, un bébé qui est mort, bien, pas juste une action mou, bien une action pareille, comment une faire, peut faire pour un accident de la route, bien prend ça à bras de corps, et je pensais que le PM peut prendre ça à bras de corps pour vraiment rectifier le tir. Parce que si nous ne connaissons pas ce que la responsabilité était, nous n'avons pas encore situé la responsabilité, il y a un peu trop tôt pour se prononcer là-dedans, mais bizarre prend bonne action tout de suite. Encore une fois, nous venons au travail d'un député. Voilà un problème qui surgit comme ça, et bien ce problème-là doit être le problème numéro un, il doit faire partie de la PNQ, il doit faire partie du débat, on doit tout de suite rentrer au Parlement, venir avec avec des actions, et les députés et les ministres doivent être tout de suite sur le terrain, venir de l'avant. Moi, je peux attendre qu'il meeting premier mai, je peux venir avec une action que je peux faire pour régler ce problème là. Nous, dans les Républicains, nous si nous pouvons réfléchir là, nous pouvons encore... Je vous dis, tu l'as cuisiné, nous pouvons faire une rencontre dans ce temps. Nous pas faire une rencontre dans Snack, mais nous joignons quand nous joignons du monde, que ce soit dans Snack. Hier, moi, dans un meeting concert des enfants de Rochebois au centre, au jardin de Gaëtan Duval. Ben, nous joignons là-bas, nous joignons M. Johnny Latou, nous nous posons un petit peu qui nous capable de faire pour Rochebois. Et donc, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé pour faire quelque chose pour son endroit. Donc voilà, nous sommes une cause en cours. Donc oui, nous tous les jours, nous là. Bon, pour deux sujets, c'est qu'il peut pas arriver quand les bandits vont me savonner. Ma famille, mon garçon, tu vas vivre et pas si l'ambulance est tardée. Là, nous vous mettre l'accident avec le domaine de la santé qui nous fait causer ensemble. Moi, je me suis dit, je suis un peu plus de l'ambiance. 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 Je suis un peu plus de l'
C'est un premier point. En tout cas, libéralise un petit peu ça, cette taxi-là que maintenant, comment on dit, taxi marron, occupe ça la nuit. Parce que ben, un taxi traditionnel, on finit faire cette position. Pourquoi pas, pour envie de travailler la nuit. Et il y a aussi qui travaille la nuit, dangereux, etc. Non? Mais mon pensée, nous sommes capables, il y a des trois, une quinzaine de taxis, dizaine de taxis dans chaque hôpital, dans un premier temps, qui nous a appelé pour venir chercher nous. Alors, c'était que Samu vient chercher moi, avec beaucoup d'efforts, appels, etc. Samu vient chercher moi. Et au déjeuner, quand on rentre dans Samu là, il saisit une camionnette. Puis il n'y a rien là-dedans. Un délire, une camionnette. Et tout ça, un délire. On gagne l'ambulance ou on gagne Samu? On gagne Samu là, même, on peut dire où là. Bon, si vous tenez l'ambulance, si tiens l'autre affaire, mais mon gars Samu là même, mais non, elle là-dedans. Voilà, et puis l'ambulance là, mon pas trouve ce bout du tout. Donc, mon pensée que si moi-même on passe là-dedans, Astère, demande-nous, parce que moi je gagne piqué là, tu sais pas, pour qu'on conduire ou qu'on fait non, demande-nous tous les jours, comme il dit, mon gars, un problème par rapport à ça. Mon corps, mon camarade Joson aussi, dit qu'il y a un problème, il mange poisson, il y a un spaghetti. Un empoisonnement. Un empoisonnement. Et tu appelles l'ambulance, mais zéro affaire là-bas. Il y a beaucoup de problèmes pour mon conseil. Tu as un qui est à Paris, papa moi aussi, pas qu'à faire du thérapie, mon ami, tout le monde peut dire mon bizarre, vous famille directement dans l'aide pour. Mon conseil, mon qui est tiré de ça, la télévision, récemment, il nous vient à l'hôpital, mon corps dans flac par rapport à cette problématique-là. Je pense pas à un hôpital public, je pense que c'est une clinique, hein, un clinic hub, comment je peux dire. Mais je pense que pas juste bien un clinic hub, mais bien il y a une possibilité que n'importe qui Mauricien est capable d'avoir accès à ça. Et bien, si bien développe un fonds de solidarité, etc., bien, s'il peut une compétence, bien ouvert chemin. Et je suis désolé que la relation internationale Maurice se réduit à rencontrer que Narendra Modi. Quand tout passe, PM, il y a un Narendra Modi. Dans le Commonwealth, il y a un Narendra Modi. Il y a le Sud-Afrique, il y a un Narendra Modi. Il y a le Paris, il y a un Narendra Modi. Il y a Maurice, il y a un Narendra Modi. Il y a l'Inde, il y a un Narendra Modi. Mais si Narendra Modi n'est pas capable, évidemment, on nous comprend. S'il touche et donne tout l'aide, bien, bizarre, diversifier, à rouler ailleurs. Bien, moi toujours dire un premier ministre, il bien un bon VAOP international. Pas moi qui dis ça, c'est M. Narendra Modi qui même lui dit un bon premier ministre, il bien un bon VAOP, ça veut dire il bien un bon salesman. Il y a le vent au pays, dans le monde entier, et quand il finit avec un résultat. Ben, faisons pareil comme Narendra Modi. À force, peut fréquenter Narendra Modi pour oui, pour non. Mais pensez, PM pour gagner le bon réflexe, pour venir un modèle. On a beaucoup d'actualité internationale. Vous connaissez ou content que le monde en paix? Oui, pour moi c'est très important. Je pense qu'il est là en ce moment, bon ben pas même la crise syrienne, la crise de Gaza, un petit peu partout. Et je pense qu'il nous bien capable à travers le droit, nous capable vin construire la paix, nous capable vin vers une résolution de ban conflit, comprend ban conflit là, analyse tout ban régulation. Pour qu'ils nous capables enfin prendre le chemin de la paix. Parce que derrière, nous peut trouver du monde peut mort dans l'accident, du monde peut mort dans l'hôpital, du monde peut mort avec le réchauffement climatique qui peut venir, etc. etc. Mais si nous-mêmes nous commençons à auto-détruire nous, c'est pas la chose. Moi, je pensais bien revoir l'ONU, peut-être que l'ONU l'est dépassée, bien réinvente un nouveau structure, un nouveau outil. Avant, il y a la SDN, Société des Nations, ASTNA. Et après, il y en a l'ONU. Peut-être que l'ONU nous fait sur l'époque et nous a réfléchi à un nouvel ordre international par rapport à ça. Justement, un nouvel ordre international. Tu veux que la situation coréenne puis changer drastiquement. Nous trouvons un effort. Hier, nous trouvons la télévision. Voilà, petit ou pas lire. Ben, nous parlons. Tu peux faire propagande depuis 50 ans. Tu veux qu'il a le président du Nord, peut dire depuis ferme sur des décennies nucléaires. Comment tout ça? Après tellement de tension, tu as amené ces balistiques qui peuvent viser, c'est pas Washington, tu vois, on va dire
Moi, après les Jeux Olympiques d'hiver, là, m'a donné une espèce. Pourquoi j'ai un gars frais, j'ai tout ça tourné une seule côte. Oui, mais pensez, c'est la guerre du nerf, hein, qui est le crack premier. Moi, je monte 10 Basile, je monte 10 fusées nucléaires, balistiques, etc. Et tant que je fais 12, moi, je fais 14 après. Donc, nous sommes en chair là-dedans. Mais je pensais qu'il n'y a pas d'accord tout le temps avec monsieur la présidence de Donald Trump, surtout par rapport à qu'il retire les accords de Paris et donc nous tous seuls. Ouais. Mais moi, je pensais qu'il y en a de plus dans sa façon de faire parce qu'il prend sa bande combat un petit peu lui aussi très au bras le corps. Et je pensais qu'il n'y a pas. Il y en a sur les faits, le bande coréen. Et donc. C'est un bon signe que la Corée commence un petit peu détendue. Et donc, c'est pour ça qu'il me dit, nous, bizarre, c'est le moment ou jamais, vient d'un mouvement que nous construisons la paix, que nous comprenons, nous mettons en place un système de régulation. Vous suivez sa rencontre avec Kim Jong-un, avec Donald Trump. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous pensions que tout du monde pour. C'est l'événement de l'année, ça. C'est parmi l'un des événements de l'année parce que c'est comment dire. Hein? Après Coupe du Monde. Après Coupe du Monde, hein? Bien sûr. Ouais. Après Coupe du Monde, moi, c'est. Même trouvé après l'annonce que la Corée du Nord peut retirer ce ban fusée, puis arrêter ban test et balistique. Et d'armes nucléaires, nous trouvons même pas de décision. Trump peut dire prix Nobel pour Trump ou. Quel sentiment là hein? Ben, comment me dire me dire que peut-être dans le style Trump, hein, ce style, hein, il y a des bonnes choses. Hein. Moi, on discute avec deux, trois dimons un petit peu dans mon café. Et donc. Quand j'ai monté au montant grade, l'année passée, dans mon café. Dans mon café, un peu, mon intellectuel café. Et donc, je trouvais qu'il m'a parlé de mon professeur, mon dimon un peu, qui enseigne. Mon intellectuel, comment dire. Mon intellectuel, qui enseigne un peu cette matière-là. Et je me disais, moi, mais le style de Trump a quelque chose de bon. Hein? Donc, pas de ce point de vue-là, je salue Trump pour sa bonne action. Bien, de côté, Trump n'est pas trop aimé. Oui, d'un autre côté. La crise des migrants, il y a la guerre avec le Mexique, la garde nationale, pas la garde républicaine, mais la garde nationale, le banc de frontières pour empêcher l'infiltration, le banc mexicain. Ban salvadorien, ban colombien, ban vénézuélien, pour rentrer dans ce pays à partir de la frontière mexicaine. Oui, moi vraiment. Attristé. Moi vraiment attristé par ça et moi vraiment content qu'il y ait une vignette de sa problématique, crise des migrants-là. Parce que migrants, ils viennent un danger, un danger, mais vraiment d'une proportion disproportionnée. Et migrants, ils viennent, celui qui vient qu'aucun travail, etc. Et c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Je peux dire, c'est comme ça que je peux voir un migrant, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Moi, je pensais qu'il nous bisait revienne à une culture plus humaniste par rapport à un migrant. Et je invite la France, en premier lieu, de revenir à ses valeurs fondamentale, ce valeur humaniste, humanitaire, par rapport à un migrant et qui faisait un traitement un peu plus équitable. Et d'une part, nous, à Maurice, nous faisons un traitement un peu plus civilisé, un peu plus humaniste pour tout simplement du monde qui vient travailler, ben Bangladesh, etc., qui vient travailler l'ONU sol mauricien, surtout le ban départ comme ça, quand renvoie ban du monde. Vous allez voir ça, ça tranche là. Deportation Act. Ah ouais, vous allez voir ça. Vous êtes un peu à Maurice. Oui. Au candidat pour ça. Moi, je suis pas candidat pour élection législative. Pour n'importe les autres personnes, Monsieur Zezon, je suis pour candidat donc pour lui peut-être. Au risque de la snap. Non, moi, je prépare moi un objectif qui, man Jimundo pour lui une demande moi. J'utilise un changement de pour lui et moi, je peux positionner moi pour l'élection municipale à pour lui et moi pour faire le
tout pour qu'il m'ait élu et il m'a permis un groupe du monde parce que mon vie change pour lui, moi j'ai une vision pour lui et je connais qu'il y a un paquet du monde qui a sa bonne détermination là pour lui, il y a José Lato, il y a des trois du monde encore qui me joignent et ça lui vient d'un constat de ben du monde de pour lui qui me demande moi. Donc soit si avocat ou avec un premier magistrat. Oui, vin Lord Mayor, pas pour vin Lord Mayor, mais pour se donner les moyens pour faire quelque chose. Par exemple, moi j'ai envie ré-municipalise, qui municipalité est capable de donner du monde mon travail. Nous revenons à ça, à la loi 62 là. Moi envie aussi qui nous, qui la gestion de l'eau, qui municipalité n'a ce mot à dire. Et moi envie, bon ben. Bah, mais c'est le point 2 que tout là, c'est pareil. C'est-à-dire où tu as vu un joint venture, administration régionale avec C2EVA pour l'approvisionnement de produits à partir de Grande Rivière Nord-Ouest, oui, oui. De paille. Oui, oui, tout à fait. Parce que pour lui, dans de l'eau, dans Maurice, dans, pour lui, c'est un problème important. Et aussi, moi, envie aussi combattre une centrale qui peut développer, qui à Baie-des-Dames ou à Saint-Louis, qui bien revoit un petit peu. Parce que, par exemple, la municipalité, bien qu'elle a fait une régulation. La municipalité, bien qu'elle a fait une régulation là pour dire par exemple dans centrale Saint-Louis qu'il n'est pas qu'à opérer 24/7 par exemple. Eh bien, Saint-Louis c'est l'électricité, on va pas couper l'électricité. Pas du monde qui va poser la question, c'est du monde devant la porte. Non, pas dire couper l'électricité, mais revoir sa façon de faire là qui aussi nous préserve l'environnement, nous préserve l'air, nous préserve de l'eau, nous préserve la terre pour lui. Donc ça m'a une priorité et me penser aussi beaucoup du monde. Pour lui, qu'ils ont besoin d'aller très loin pour aller gagner la plage publique et en plus la plage publique peut diminuer quand même pour le chagrin à Maurice. Donc, on dit dans Petit Tombeau, en partie Côte-Maurice, Grande Rivière. Vous avez un aménagement même. Vous avez un aménagement. Un aménagement des plages. Des plages, voilà. Nous, déjà, une plage, la Saline aussi, nous avons guetté comment nous remettre ça d'une façon plus. Mais vous, en tant qu'un pays d'urban ONG, vous opinez la mêle ou là, ou bien. Bien passer un peu par le ministère des terres ou logement pour faire un bon aménagement pour les habitants. Hein. Nous dire plus près, les habitants des Salines, des Dames, Petit Tombeau, oui. La place Petit Verger, comme on appelle la Pointe, la plage de Pointe-Sable même. Oui, la plage de Pointe-Sable, la plage de Sable Noir, là, dans les villes. Mais c'est pour ça que mon envie aller dans sa action politique là, parce qu'à travers un ONG, mon remarqué, un ONG, il y en a son agenda, quand on peut dire qu'il y a fait quelque chose, il y a un peu tout ce collectif, il y a passé d'un comité, et c'est ça qui fatigue moi un petit peu là dans la politique mauricienne ou dans la vie publique mauricienne, c'est que tout à fait, il y a passé par un comité, il y a passé par ça, il y a la transparence, vous êtes d'accord avec moi tout le temps, maintenant nous causons, il y a transparence, mais c'est ça la transparence, oui. La transparence, son mauvais côté, mon cas, c'est qu'il y a une bureaucratie. Bien, par ma dire, ou un dimouni qui décide de nous faire à tout du monde galoper, il y a des bonnes followers, mais bien, un débat d'idées, rabat ou pas d'accord, faire ceci, faire cela. La transparence, c'est ça, vous êtes d'accord avec oui, ça. Mais la transparence, c'est avec la citoyenne. Mais mon pense, c'est quand on réunit un petit comité. Dans snack. Dans la cuisine, dans Maïbou, ou vraiment faire la transparence. Donc, on vous donne un exemple, vous avez fini de comprendre comment ma ONG opérait, je tenais les autres considérations, mais nous visons ONG, mais à travers ma ONG, si nous avons envie d'aller un peu plus loin, ben, nous visons sortir dans sa box-là, nous visons aller un petit peu plus vers la politique. Christian Moti, ça vaut, merci beaucoup. Merci.